Et tout le monde, c'est Rémi, surtout pour la petite vidéo pour venir de voiture, monsieur Koula, on est sur le 3. Mais c'est le numéro 3 pour changer un petit peu du 1. On est parti sur le 3. Donc pour voler quelques voitures, et on voit. Ah, j'ai tellement de gros inventaire par contre. Donc là, bon, j'ai pas mal de crochets, pas mal de caisses. C'est quasi, bien sûr. Pour voler quelques voitures à quelques personnes, sûrement. Parce que là, sur le 3, on va voir ce que ça rend. Ce que ça donne d'être sur le 3. Parce que je vais rarement sur le 3, mais même jamais sur le 3. Ça va faire je ne sais combien de temps que j'y suis jamais allé, que je suis pas allé sur le 3. Non mais franchement. On va voir ce que ça donne. Oh, je par contre, il y a quelques lags. Oh, quelques lags, là, le serveur là, je lag complètement là. Et oups, c'était là, c'est tout net. Ouais. J'ai une lampe ou pas? Ouais, si c'est bon, j'ai une lampe. Il y en a quel? Il y a un VDM. On va aller se prendre un pistolet, quelques crochets, on va commencer à voler des voitures. Hein. Je crois que le 3, c'est vraiment le serveur entre les deux qui est le plus un peu PVP-RP, là. Enfin, PVP-RP. Le 3, c'est vraiment celui où on se bat le plus, hein, dessus. Donc, bah, on va voir ce que ça donne, hein. Donc, ouais, quoi, ouais, il y a une boutique VIP, tout ça, ici, en fait. Je me souviens ce qu'il y avait. Donc, on va tenter de voler des voitures sans se faire tuer. Je dis bien tenter, parce que, connaissant le serveur, connaissant la réputation qu'a sur ces serveurs de military RP un peu envers. En fait, c'est du military RP, hein. Tu veux une saco, tu vas. Mais si tu prends ta saco, tu tires sur tout le monde, hein. Globalement, c'est ça le serveur. On m'a demandé si on peut avoir un petit pistolet. Bonjour, monsieur. Je cherche un pistolet. Est-ce que vous vendez des pistolets ou pas? Vous vendez pas de pistolet? Ok, bah j'y vais alors. Bon, c'est pas comme sur le A, lui ne vend pas les pistolets. Bon, bah c'est bon à savoir au moins. Au moins, ça sera un truc. Non, par contre, je me demande où ça va rendre cette séance. Je trouve un pistolet, le vendeur de crochets. Et je prends des crochets et des capas de crack et j'arrive. J'ai acheté un pistolet en banque d'ailleurs. J'ai trouvé le vendeur de crochets, tout ça. Et je reviens dès que je serai prêt à crocheter des voitures. Me revoilà. Actuellement, c'est bon, j'ai enfin un Six Over. Enfin, un Six Over. J'ai enfin un 1911 qui était en banque. Maintenant, il faut trouver des balles. Donc on va essayer de trouver les balles, j'ai masse crochet, parce que j'avais tellement de crochets en banque, j'ai tout pris hein. On essaie de trouver quelques balles pour le Six Over, braquer des gens, et on va essayer de voler des voitures. Je sais clairement pas ce que ça va donner. On va voir combien d'argent sale je peux me faire en volant des voitures. D'argent sale et propre je peux me faire sans mourir une fois. Parce que je vais pas survivre, je le sens que je vais pas survivre. C'est un peu un serveur de... De gens qui ont pas le time. Le tarif, tu les embêtes, tu te mets une balle. Ah, ça fait du pétrole en bas carrément. Ah, ça c'est les gangs. Puis ça fait un... Ça doit faire quoi? Au moins... Allez, ça fait au moins 3 mois que je suis pas allé sur le serve. Dans le 3, je veux dire. Donc, je connais pas la map. Je sais qu'il y a des HQ, qu'elle a des ACU. Donc je sais pas... Je sais pas si les ACU, je sais pas qui a ACU ou pas. Il y a un cadavre carrément en plein milieu de la route, ok. Là, le seul but, ça va être de survivre déjà, le premier but. Survivre. Ah, de munitions, nickel, donc. Ouh, punaise. Non, Glock Mine, c'est pas des Glock Mine qu'il me faut. Colt. C'est bien ou pas? Nouveau Mine. Ah oui, d'accord, je suis en la Mine, c'est bon. On va prendre... On a un truc encore à se défendre au cas où, mais je suis pas sûr que ça durera longtemps. On est quoi? On est 68 sur le serveur. Ah ouais, 68, donc pas mal en connexion. Là, on a quelques amis, là, quand même. On a Max Lender. J'ai vu Aaron tout à l'heure. On a nous, ça va. Essayons. Ouais, j'ai quoi cette zone? J'essaie de trouver de voiture, mais... Ah ouais, d'accord, la maison était là, mais il y a un truc en face. C'est quoi ça, maintenant, là-haut? Ah, c'est Families. Ah ouais d'accord, c'est les familles et tout là. Ah. Oh. Ça fait de la cocaïne en haut. Bon, on va aller voir. Hein. Le mec qui fait de la pêche. Ah ok, acheteur suspect. Ah oui, c'est là que tu vends la cam, c'est là que tu achètes les crochets. Oh, nickel, on est tout ok. Enfin, non, tout ok. On est tout bon. Wesh, je suis ouvert, ils sont teubés ces mecs. Ah ouais, je sens par contre. C'est infâme leur porte là. Tu peux pas. En fait, tu peux pas qu'il n'y a pas de crack ici. Tu vois, t'es tellement petit. Tu peux clairement pas qu'il n'y a pas de crack.
Bon bah, on va chercher qu'il n'y ait pas de crack, hein. Et en allant essayer de qu'il n'y ait pas de crack, je dis bien essayer. Oui, j'ai 250. Oh et oui, il me reste 3 dollars. Je me dis, je fais des voitures, on va faire des maisons avec. Parce que je suis un ouf. Et que j'aime bien prendre du risque. Mais il l'a refermé. Il l'a refermé. Il la referme. Quand je l'ouvre, il la referme. On y va là. Bah là il la referme, le capable il marche pas, sa porte elle est infâme, sa porte. Voilà, c'est infâme, on peut pas qu'il y ait pas de tranche. En fait on peut pas qu'il y ait... En fait c'est impossible. Qu'il y ait pas, c'est impossible ici. C'est plus impossible de qu'il y ait pas. Mais frère, quand tu fais un. Quand tu fais. En fait, là ça construit, elle est infâme, hein, ça construit. On a les deux en fait. En fait, le capable il marche pas bien. Go faire un ticket propre bloc en vrai. Hein. Props bloc, c'est impossible. On peut pas capable et la porte elle gêne. On peut, c'est impossible le capable en vrai. Ça fait combien de fois que je capte pas cette porte en vrai? Ah ça s'ouvre pas. C'est désolé mais ça s'ouvre pas. Bonjour. En fait ça s'ouvre pas, regardez, ça s'ouvre juste pas, les deux sont là-haut. En fait il faudrait que quelqu'un, enfin, faudrait que ça arrive à l'ouvrir, mais comment on pourrait arriver à ouvrir la porte? En plus j'ai une arme hein, sur moi pire. Je sais pas si elle fait mal ou pas. Ils arrivent. Tu ouvres, tu pousses, tu recules, tu recules, tu recules, tu recules, tu recules. Vous venez, les deux vous venez. Vous ouvrez là derrière. Vous ouvrez là derrière. Faites quoi? Allez, vous venez devant moi, vous venez là-haut. Ah ouais, ça fait de la cocaïne ici. Hein. Ouais. Vous avez combien d'argent sur vous chacun? Vous me donnez tout, tu me donnes tout votre argent. Je veux tout l'argent que vous avez sur vous maintenant. Tu sors ton téléphone, tu ressors ton téléphone, je te bute toi. Nickel, parfait, 131 et 258. Ok. Vous parlez de moi à une personne, c'est une balle dans la tête à chacun. Je vous retrouve, vous mettez une balle dans la tête, vous avez compris? Voilà, nickel, alors qu'on serait infâme, j'ai réussi à les braquer. J'ai un bruit de voiture quand même, hein. C'est moi là dans un bruit de voiture qui s'arrête. Le mec fait l'événement de pêche, hein. Ah ouais? Ah, vous faites l'événement de pêche, monsieur? Vous faites l'événement de pêche? Ah ouais. Non, c'est pas moi. Ouais. Eh bah. Vous pensez que vous avez gagné beaucoup ou pas? Vous pensez que vous avez... Ah ouais. J'ai une question, messieurs. Tu vas à ton pote, tu vas avec ton pote, tu vas à côté de ton pote. Tu vas à côté de ton pote, tu vas à côté de ton pote là-haut. Tu vas à côté de ton pote là-haut. Tu vas à côté de ton pote. Je veux de l'argent que t'as sur toi, tout l'argent que t'as sur toi. Et ton pote il revient où je le bute. Mon pote il revient où je le bute. Je veux tout l'argent que t'as sur toi. Je veux tout l'argent.
T'as combien sur toi? Tu vas pas me dire que t'as zéro. Bah tu me donnes les 250. Tu me donnes les 250 alors. Je me suis... Ok. Ouais. Pourquoi t'es que tu le connaissais alors? Ouais. Bah ton pote, tu mettrais une balle dans la tête. Moi, je peux pas prendre. Bon, pardon, on s'en fout. Alors quoi? Deux mecs braqués déjà. On a pas fait une voiture, mais on a déjà braqué deux mecs. En même temps, y'a pas de voiture, hein. Mec, j'ai même pas fait 1000$ quoi, j'ai rien. Non, c'est le serveur, on peut braquer 1000$ et j'ai rien fait en argent. Allez, on va tenter de trouver quelque chose d'autre, hein. Une voiture, par exemple. Sinon, je suis censé braquer des voitures, mais il n'y en a aucune. Mais je crois que c'est le mec que j'ai braqué ça, enfin le mec que j'ai braqué. C'est le mec que je voulais braquer ça. Ah non, je suis pas, j'ai pas de carte de la ville, je voulais voir si il y a un cuisinier. Ouais, un cuisinier. Bon, j'arrête là, je vais arrêter le rec. Enfin, arrête le rec. Je vais revenir dès que j'ai une voiture ou un vrai truc à braquer comme je voulais à la base. Mais bon, bah, j'ai envie de tenue quand même parce que je vais être repéré cramé comme ça. Bon, bah, c'est vrai, moi. Donc, j'ai trouvé un gars une voiture là-haut tranquille, mais il y a totalement toute la flicaille à côté. On va tenter quand même, hein. Là n'est pas le problème. Une belle voiture. Elle est pas ouverte. Donc j'ai pour info, j'ai pris ma voiture et j'ai pas changé de tenue parce que j'en ai pas d'autre. Alors ma go crocheter. Je suis une sombre merde au crochetage. Le crochetage, c'est tout un art le crochetage. C'est des gens que j'ai des gens, ils arrivent super rapidement à crocheter. Putain, mais. Mais c'est quoi de ce crochetage que je n'arrive pas à faire là? Oh, vent de juice. Nickel, on est bon. En plus, cette voiture là, je la trouve RH. Cette voiture là, je la trouve tellement classe par contre, cette voiture. Juste. Cette voiture, elle est trop belle, on est d'accord. Après, j'ai repéré une maison là-haut, mais dans certaines vidéos, j'ai vu que c'était souvent la maison de la SCU. Ah, il y a une voiture dans le garage là-haut. Vous savez quoi? Ah, une voiture également là. Vous savez quoi? On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. Ça veut dire, j'arrive ici, je fais les deux baraques. Deux baraques, je vois les deux voitures et on est bon. Sauf pour la maison qui est potentiellement de la SCU. Je rentre et je prends tout, vole toute la maison. Non, mais je suis un ouf, hein. Je suis un taré, hein. Je vole tout, c'est bon. De toute façon, au pire, j'ai une arme. Au pire, j'ai une arme. Je sors mon arme, un mec qui sort son arme, bah je riposte. Non, je vais mourir, c'est sûr, je vais mourir. Il n'y a pas à chercher, c'est sûr, je vais mourir, mais bon. C'est en fait avec la SU. Je suis dans le caca, mais franchement. Mais bon, on a fait la première, on a braqué pour l'instant 3 personnes, une voiture, et on va. Et on va tenter plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonjour à tous. Ah non, c'est Jeff. Ah, c'est stylé, lui, il bouge là. Parce que j'ai un serveur où le mec il bouge pas. Tant je trouve ma voiture à la fin, ça me va en vrai. Par contre, je sais toujours pas si cette arme suffira. C'est quand même un 1911, hein. C'est l'arme le plus. L'une des armes les plus nulles du serveur. J'ai 8 balles, frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 8 balles, hein? À moins de mettre 8 têtes. Balle en rien en tout cas. Vas-y Jeff, l'argent. Oh je t'aime Jeff. Mec c'est ultra rapide là. C'est ultra rapide la revente ici en vrai. À Rockford c'est pas pareil hein. Non franchement c'est super rapide la revente. Et j'ai gagné 3000 balles. Bon allez, je fais une coupure et je reviens quand on est à côté des deux autres voitures pour commencer à crocheter. Je fais une coupure, je vais bien quitter le rec. Bon finalement j'aurais pas coupé le rec longtemps, mais regardez il y a une maison aux portes ouvertes ici, donc on va rentrer hein. Bah bah.
Dans la vie, je suis un taré, hein. Bonjour. T'as pas un peu d'argent pour moi? C'est pas 1000 euros par exemple. T'as pas 1000 euros pour moi par exemple? Comment parle comme ça de moi là? J'ai une arme peut-être ta tempe. Tu veux que je tire ou quoi? Soit tu me donnes 1000 euros, soit je tire, t'as compris? 1000 euros ou moins d'ailleurs, je veux juste un peu d'argent. Moi je veux de l'argent, j'ai une arme pointée sur ta tempe, donc maintenant soit tu me donnes de l'argent, soit tu meurs. Ok? T'as combien sur toi? Oh, ce genre de mec il fait son show là. Arrête de faire ton caïd là. Moi je te mets une balle dans la tête quand je veux. Ah voilà, là c'est là où on va s'arranger. Parfait. Voilà. Ouais, je sais, je braque des gens comme ça. C'est un mec de là, c'est un mec, c'est un motard. Il me retrouve, je meurs. Moi, je me suis rentabilisé. Je suis dans la merde, en vrai. Non, en vrai. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai vu qu'il n'y a pas un chèque mes vidéos. Enfin, un truc qui me fait rire en ce moment parce que j'ai au moins 200 vues sur toutes les vidéos que j'ai mod et ça me fait la plaisir, sérieusement. Il y en a une qui a atteint 500 vues et je trouve ça génial, sérieusement. Génial. Comme je dirais, je fais entre guillemets le buzz maintenant. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine. Jusqu'à le plus longtemps que possible. Normalement, j'ai une vidéo qui est prévue pour la soit la semaine. Soit vous l'avez vu la semaine dernière, soit vous la verrez la semaine prochaine. Ça dépend dans quel ordre je la sors. C'est le voleur épisode 3 que j'ai tourné avec un de mes potes sur le 1. Enfin, le seul problème, c'est en ce moment, c'est les idées quoi. Il me manque vraiment pas mal d'idées. Je sais clairement pas quoi faire en fait, sinon sans vidéo. Mais donc, ouais, comme je dirais dans la vidéo future, où j'ai dit avant. Ça dépend dans l'ordre où elles sortent. Je ferai une vidéo braquage dépôt sur le 1, mais il faut encore que je trouve le temps pour braquer le dépôt. Pour l'instant, ça me fait plaisir, ça. Ça me faisait envie de braquer les gens sur le 3. Parce que vu la réputation de voleur qu'a le 3, enfin de voleur, de tueur, de voleur, de mec qui tire n'importe comment, ça me faisait envie. Ah bah un mec ici! Je veux voler sa voiture, ça irait plus vite. Bonjour. Tu peux entrer, s'il te plaît? Attends, tu rentres, montre ta mère de ta maison. Y'a quoi dans ta maison? Tu viens? Je fais le mec qui a une arme, mec, je suis. Ah bon, bah t'as rien acheté ici encore. Tu fais la tombe, tu fais la cocaïne maintenant, tu vas faire. Hein. C'est quoi là-haut? Je peux avoir un peu d'argent? T'as combien d'argent sur toi? Bah, tu vas me les donner tes 200 balles, ça me suffira quand même très bien. J'aurais braqué 5 personnes. Ouais. Je risque à la mort à tout moment. Heureusement que j'ai pas le droit qu'elle s'auto. Au revoir. Et bonne journée. Le fier voleur. Je dis au revoir et bonne journée au mec que je braque. Franchement. Je mériterais 12 balles dans la tête, sérieusement. Ça va en ce moment, je suis encore bien. Je suis pas encore mort. À la base, c'est du vol de voiture. C'est sous ce moment, braque le plus de gens possible, surtout. Je trouve ça drôle, j'aime bien. On va aller voir si on peut poser les 1900 euros qu'on a sur nous, ici, parce que j'ai pas envie de tout perdre. Oh, il y a une... oh ça se brouille, une belle voiture, ça. Franchement, ça rapporte, en vrai. J'ai retiré un peu moins de 1000 tout à l'heure. Ah, d'accord, oui, d'accord, c'est les gitans, en fait. Les gitans en voiture, en fait. Putain, non, il n'y a plus l'autre voiture. Sommes-nous vraiment obligés dans la maison de la SCU ou pas? Enfin, potentiellement de la SCU, je rappelle. Je ne suis pas sûr à 100%. Non, il n'y a plus la voiture des deux. Bon, bon, au moins, il y a la voiture. C'est une maison achetée ou pas, ça? Ah non, elle est achetée, mais elle n'est pas achetée actuellement. On n'a qu'une vie. Sérieusement, on n'a qu'une vie. Ah bah, c'est ouvert. Ah bah! Ah bah c'est ouvert. Après, la première fois, je pensais laisser les autos ou des mecs à qui je ne devrais pas rigoler. Oh purée, j'ai vu le caillou, j'ai flippé. Après, j'ai l'impression d'être des gens à qui je devrais pas rigoler. Ne pas entrer, chose importante, indisponible. Bonjour.
Bonjour. Regardez la FK. Il a FK. Courant, monsieur, courant, courant. Bon. Il y a un ami dans la maison, mais qui est à FK. Bon, y a rien sans une maison. Une belle maison comme ça, y a rien. T'as vraiment dire qu'il y a rien. Sérieusement. Allez voir si c'est la voiture derrière. À moins qu'il l'ait recaché derrière, mais. Ah. Ah. On va voir si ça marche. Non, attends, je suis le pire crocheteur au monde, le pire. Vraiment, j'ai fait d'accrocheter. Hein. Faut essayer de bien crocheter, faut essayer de bien crocheter. Voilà. Voilà. Bah nickel, au moins on a volé une voiture. Au moins. On a réussi. Oui. Bon, au moins, on aura braqué combien de gens pour l'instant? 5, ouais, les deux premiers, le mec qui fait de sa pêche, le biker, ouais, puis l'autre, ouais, donc ça fait 5 personnes qu'on a braqué. On a volé deux voitures. On a braqué un mec AFK. Ça, vu, ça se joue tiens à le noter, on a quand même braqué un mec AFK. Bon, chapeau parti, j'ai pas envie qu'il ressorte avec une saco en main. Et quand il calme, motard? Ah non, il a quitté son job le motard, j'ai l'impression. Ça c'est les gitans ça. Go dans la voiture après les gitans. Ouais. Bah, c'est pas leur voiture. Hein. Ah, j'ai peut-être pas rouvert tout à l'heure. Par contre, sur ce cerf, leur vente de voiture, c'est giga rapide. Ting, bah quand vous voulez une voiture, vérifiez toujours ce qu'il y a dans le coffre de la voiture. Parce que des fois, tu peux trouver des choses intéressantes, donc ça va. Il y a une E, donc c'est une E63 la voiture. Il y a un mec qui a une saco, je tire. Des sotos, il y a des gens en show en ville ou pas? Oui, il y a les sotos. Ah bah oui, il y a les sotos, il y a Dylan Soto. Je connais tout le monde sur le 1, mais sur le 3, personne. En vrai. Ouais. Oh merci. 6000 euros d'argent sale. Allez, hop là. On va repartir vite autre part en attendant. Moi je fais une coupure et on va revenir dès que je trouve un bon truc à braquer. Donc c'est re-moi encore une fois. Donc ici on a deux voitures qui... bah, on va voir le seul endroit où on est pour ceux qui jouent sur le 3. On va voir une voiture qui appartient à un flic. Non mais... C'est vraiment le stress intérieur là par contre parce que... Putain mais... Dernier pied, dernier crochet hein. Je l'avais, je l'avais. Ok. Et merde. Je regardais, elle est super belle, elle est super belle la voiture je trouve, je la regardais un peu. J'avais rien dans mes mains. Merde. Je me fais avoir. J'avais dit que c'était risqué. J'avais dit que c'était risqué. Non. J'avais dit que c'était risqué. SU. Secret Criminal Unit. André Mapex. Ok. En corporel, à part un pistolet dans ma poche droite, j'ai rien. Et un pistolet. Un outil de piratage, oui. Et un outil de piratage. Un outil de piratage. J'ai pas de crochet.
J'ai pas de chance. Bah pour me défendre au cas où on m'agresse. Pour braquer des gens. Pour braquer des gens. Non. J'en ai. J'ai mes six boules. Oh ça là, s'il les trouve pas. J'ai pas besoin de place. Il les trouve pas. Ah je savais pas, vous voyez. Toi ça fait un moment que j'ai pas vérifié que j'avais l'enchaîné sur moi. Merde. Le fruit de ma récolte. Je savais que je devrais pas jouer avec ça. Je vais vous démenoter, vous allez faire 3 pas en arrière. Je répète, à mon top, je vais vous démenoter, vous allez faire 3 pas en arrière. Quand ce sera fait, vous allez prendre votre arme tout en regardant le mur que vous regardez actuellement. Vous allez lâcher votre arme. Une fois que c'est fait, vous lâcherez votre outil de piratage. Ainsi que les 6 000 € d'argent sale que vous avez sur vous. Mais monsieur, si j'ai la licence, là, regardez si j'ai la licence. Oui, bah oui, on va voir. Mais d'abord, je vous demande juste de la poser. Ok. Faites 3 pas en arrière, s'il vous plaît. Vous êtes obligé de passer par un métal. Le geste brusque sera sanctionné d'une balle dans la tête, tout simplement. L'arme en premier, dans l'ordre que je vous ai donné. Ah! Dans le pantalon. Ah maintenant. Par potentiel de les revoir peut-être, de pas me faire abandonner si facilement. Avancez hein. Putain. Vous pouvez m'expliquer où c'est que vous êtes fourni l'arme s'il vous plaît? Dans un vendeur d'armes classique hein. D'accord, avec une licence? Oui. Okay. Ah non, je l'ai perdu ma licence. Il n'y a pas de licence hein. Pour montrer-moi au papier, je vais demander comme vous. Ah. Mais j'avais ma licence hein, mais je crois que je l'ai perdu. J'ai jamais eu ma licence. André Mapex. Bon. L'arme sera saisie du coup. En ce qui concerne le site piratage, où c'est que vous êtes fourni? C'est un vendeur qui me l'a vendu. Quel vendeur? Un petit vendeur à côté de la plage. De la plage. Du terrain de foot précisément, si vous voulez plus d'informations. L'argent sale, comment vous l'avez fait? Je l'ai fait, je sais pas, je l'avais une autre fois fait, je devais l'avoir une autre fois dans mon pantalon, ou dans mon pantalon, dans où je l'avais mis, et je l'ai jamais renlevé. En vrai, j'ai volé 2 véhicules, mais j'ai pas l'allure du Marpen. J'ai vraiment pas envie d'allure du Marpen. Oh, je suis vierge normalement. Ah bon. J'ai envie qu'il me donne une note. Parce que je suis en état d'arrestation. Et on fait un prank. Animation. Non, ça marche pas. Ah, je voulais me cacher sous la table en mode regardez, je suis caché, j'ai déconnecté. En fait, non. Ah, ouais, il est vierge normalement. Il est vierge. Ah.
Oui, je suis quelqu'un d'honnête, j'ai pas de casier judiciaire. Je suis quelqu'un d'honnête. Enfin, honnête. Avec un... Non, c'est quoi le criminel Léonic? Il me partait même pas en bac, il partait vraiment en SU comme ça. Moi je me suis mis en bac. Hein. Par contre, sans licence, ouais. Ok, je vous suis. Ok, je vous suis. Non, malheureusement, j'ai pas assez d'argent pour payer. J'ai que 70 euros sur moi. C'est pas assez. Oui, dans mon compte en banque, j'ai assez, vous inquiétez pas. Je dois avoir 10 millions d'argent. Oh, 10 millions d'argent, oui. J'ai que 100 000 ans. Voilà. J'ai appelé la police. Il m'arrête sans raison. Allô, il m'arrête sans raison. Que vous avez besoin de faire un petit tour. Ok. Merci, à vous aussi. Bon bah on aura essayé de voler des choses, mais on se sera pas fait tuer par les gangs, mais on sera fait arrêter par la police malheureusement. Et il se trouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et toutes les vidéos, tous les mercredis à midi, il devrait sortir une vidéo. C'était Rémi, ciao bye bye, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.